Tu peux pas la monter ici, mon pote. C'est là où on cultive nos carottes, les jeunes. Désolé. Ça te paraît être un bon endroit pour camper, Wawa? Wouf! Vous, là! Hein? Vous ne pouvez pas camper ici! C'est notre jardin! Oui, dégarpissez de notre pelouse! Désolé! Ici, alors? Wouf! Oui! Oh non, on dirait que vous avez planté votre tente sur le repas des moutons. Non! Mais alors, où est-ce qu'on va planter notre tente à la fin? Ouf! Wawa a une idée! Ah, enfin, vous voilà confortablement installés dans votre tente. Oui, moi j'aime beaucoup le camping. Moi aussi! Mais je n'arriverai pas à dormir sans Sergent Boom. Ouf, ouf. Mon petit Boom! Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il te plaît, Wawa. Oups, j'ai renversé de l'eau. Oui, sur moi. J'ai besoin d'une serviette, Wawa. Oh, ouf. Oh, Rouli, tu t'es glissé dans mon duvet. C'est peut-être toi qui es dans le mien. C'est la serviette de Tac, celle-là, Wawa. Où est Zaza? Ouf! Wawa, j'ai laissé Zaza dehors. Ouf! Ma Zaza. Wawa, je viens de me rendre compte que mon pyjama était mouillé. Ouf! Ça m'a l'air confortable. Ouf! Cool, mon pote, un bœuf. Ouais. Qui veut un cocktail de fruits? Moi, je veux bien. Cette fête, c'est la fête de la neige. Or, j'ai 10 pizzas hawaïennes, 10 pizzas margarita et une pizza au poisson pourri. Tu es sûr que ton baromètre fonctionne? C'était quoi ça? De la neige! Du tonnerre! De la pluie! Du vent! Tout arrive en même temps! Le baromètre avait raison! Ouf! C'est... Accrochez-vous bien, tout le monde! Wawa peut aller très vite! Oui! Youhou! Je crois que j'entends un bruit bizarre. Il y a quelque chose qui vient de tomber du ciel. Wouf! C'est une valise. Mais qui peut avoir une valise dans le ciel?
appelez-moi Quack. Où est-ce que tu vas, Quack? Eh bien, je n'aime pas la neige, alors je suis en route pour l'été. Eh oui, les petits loups. Lorsqu'il fait trop froid ici, les oiseaux s'envolent vers un endroit chaud. Cela s'appelle la migration. Hein? Oui, je suis en route pour mes vacances d'été. Quack. Ah! Alors, où est passée ma valise? Tiens, la voici, Quack. Oh, merci beaucoup. Ça alors, partout les périscopes. Les poissons du jazz. Ils se font de plus en plus rares de nos jours. Oh oui, et là, un carrefour de corail en heure de pointe. N'est-ce pas merveilleux, les petits loups? Les petits loups? Ah, ah, faites attention avec ces boutons, les filles. Oh. Ne va pas te faire mal, Rouli. Je ne suis pas assuré. Waouh, 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 waouh. Je suis ravi de te voir manifester autant d'intérêt, Tag. Mais cet appareil est extrêmement fragile. Bip, bip, bip. Oh. Bip. 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 Oh, non. Bip. Tu es trop près de l'écran, Bip. Youpi. Oh, bip. Ceci est notre bip. Sonar. Bip. Oh. Lorsqu'il fait beaucoup bip. De bruit, c'est bip. Pour nous indiquer bip. Que quelque chose bip. Est très près bip. De notre sous-marin. Bip. Oh. Quelque chose se rapproche de nous. Vous voulez aller voir ce que c'est? Oui. Ah, c'est une école de poissons. Une école de poissons? Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Les petits loups. Qu'est-ce que vous faites? On fait une sortie scolaire aujourd'hui avec notre maître d'école, Monsieur Goupy. C'est charmant que vous ayez tous sympathisé, mais peut-être qu'il serait temps de rentrer maintenant. Allez les petits loups, dites au revoir, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On est arrivé? Oh, wouf! Eh bien, Wawa, tu disais que nous allions dans un endroit... exceptionnel! Oui, c'est le coin à pique-nique exceptionnel de Wawa. Ah bon? Bien, je reconnais que ce coin est assez pittoresque. Des sandwichs à la confiture maison, Wawa! Un délice! Oui, c'est vrai qu'ils sont délicieux. C'est normal, Wawa est le roi des sandwichs. Le jus de myrtille est excellent, lui aussi. On va aux toilettes. On va aux toilettes. Plou. Ne te mouille pas trop, d'accord, Youpi? Viens dans l'eau, maman. Ça va te faire du bien aux pieds. Ne te balance pas trop haut, Nini. Betty, est-ce que ce sont... des oiseaux au bec coloré qui font du beatbox? Je n'en avais jamais vu de mes propres yeux. Quel coin super! Je te l'avais dit, maman! Oh oui! Ça fait vraiment du bien aux pieds. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, pas mal du tout comme coin. C'est très amusant. Plus vite! Oh, Wawa, quelle merveilleuse sortie accompagnée. Ouf, ouf, ouf. Oh, Wawa, qu'est-ce que tu es drôle. Wow! Je ne
wouf, wouf, wouf. Quel vilain petit singe. On va aller les reprendre, Wawa. Vilain petit singe, vilain petit singe. Là-haut, vilain petit singe. Faites bien attention, les petits loups. Oh, quel vilain petit singe. Ah, attention à vous. Vilain petit singe. Eh ben dis donc, vilain petit singe, tu as jeté tous les fruits en bas de la colline. Hein? Il flotte! Regardez, il flotte! Oui, il flotte. Excuse-moi, jeune homme. Qu'est-ce que c'est? Hein? Je crains que tu ne tiennes dans tes mains notre assiette. Oups, désolé. Quel jeu joues-tu donc, jeune homme? Nous sommes déjà en retard au pique-nique. Ouh, un pique-nique. Chef, nous avons un problème. Le pique-nique a lieu de l'autre côté du lac. Oh, sacre bleu! Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je sais! On pourrait vous faire un bateau en papier! Mais nous n'avons pas de papier, chef. Oh, sacre bleu! Nous, on en a! Oh. Ouf! Mais c'est formidable! Wow! Je crois qu'on a réuni tout le monde, Wawa. Oh, ouf! On n'aurait pas oublié quelqu'un? Normalement, je devrais être au centre de la photo. Cette composition est affreuse! Garde à vous! Ce que tu es élégant, notre bête. Ouf, ouf! Ouf! Oui, Speedy! Mais toi, tu ne vas pas être sur la photo, Wawa! Ouf! L'appareil de Wawa a un retardateur qui tourne quelques secondes avant de prendre la photo. Ce qui donne à Wawa le temps de vous rejoindre. Oh, d'accord. Tu es prêt, Wawa? Hein? Tu devrais reculer un petit peu. Il manque quelqu'un sur la photo, j'en suis sûre. Oui. Recule encore. Encore un petit peu. Encore, 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 encore. Ouais, parfait, Wawa. Oh, oh, tu ferais mieux de te dépêcher, Wawa. Hein? Dépêche-toi. On n'en peut plus d'attendre comme ça. La taupe! C'est elle qu'on a oubliée. Wawa! Vite! Elle est magnifique! Et toi, grenouille, tu sais où tout le monde se cache? Oh! Ah, ils ne sont pas ici non plus. Je me demande bien où ils sont passés. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop.
Ah, vous êtes là. Où étiez-vous passé? On est allé se promener avec Wawa. Nous avons fait plein de choses. Blop, blop, thé. De la danse. Roitique. Palace. Spectacle. Gelé. Attendez, attendez. Un à la fois. C'est difficile à expliquer. Comment on pourrait lui raconter? En faisant un spectacle comme le roi tigre. Le roi tigre? Oui, tu vas voir. Oh, on aimerait bien voir un spectacle, nous, n'est-ce pas? Wawa, tu peux nous aider à le préparer? Ouf! Bien sûr qu'il peut, il a son badge marionnette. Oui! Ouf! Vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer vos marionnettes? Oui, nous avons du papier, rouleau de scotch, carton, paillettes, colle, peinture, gelée. Dans ce cas, vous m'avez tout l'air d'être prêt à faire des marionnettes. Vous êtes prêts pour votre spectacle de marionnettes? Oh, ouf! Tant mieux, nous aussi on est prêts. Pas vrai? Essayez de faire marcher votre imagination. C'est quoi notre imagination? C'est quand vous vous servez de votre tête pour imaginer que vous êtes ou que vous faites tout ce que vous voulez. Ça a l'air difficile. Ne vous inquiétez pas, Wawa va vous montrer. Il a son... badge imagination. Oh, ouf. D'abord, vous fermez les yeux. Bon, d'accord. Bienvenue à l'intérieur de votre imagination. Observez comme Wawa imagine être un danseur. Maintenant, un cheval. Et même une fleur. Tout est possible et imaginable. Wow. Et si vous tentiez le coup, les petits loups? Alors moi, j'imagine... une banane! Tu n'es pas en train de l'imaginer, Rouli. Tu as vraiment une banane entre les mains. Oh, on ne sait pas quoi imaginer, Wawa. Ouf, ouf, ouf! Voilà, pensez à quelque chose que vous aimeriez être plus que tout. Moi, j'aimerais plus que tout être une rockstar! Maintenant, imaginez quelque chose que vous aimeriez faire plus que tout. Moi, ce que j'aimerais plus que tout, c'est explorer l'espace. Vous pouvez être n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de rester vous-même. Oh, de l'eau. Vous pouvez imaginer que ce que vous avez entre les mains est en fait autre chose. Il n'y a aucune limite. Osez. Waouh! Mon pantalon est devenu rouge. Oui. C'est un bon début, les petits loups. À présent, poussez votre imagination plus loin. Bonjour, les petits loups. Qu'est-ce que vous faites? On observe les oiseaux. Les oiseaux adorent voler, n'est-ce pas, Wawa? Ouf! Mais ils ne font jamais rien d'autre? Oh, ouf, ouf! Oh, si, youpi. Les oiseaux ont d'autres cordes à leur arc. Oh, ouf! Certains d'entre eux, les pingouins par exemple, font de la... Ouf, ouf. D'autres, comme les émeus d'Australie, savent courir à toute vitesse. Ouf. Et le kiwi austral pond des œufs énormes. Presque aussi gros que lui. Comment tu connais toutes ces choses, Wawa? Il les connaît parce qu'il a son... badge nature. Ouh! On peut la voir aussi, nous? Bien sûr! Pour cela, il vous faudra explorer la nature. Oui! Attention, il y a 5 règles essentielles. Ouf! Règle numéro 1, observez avec attention. Numéro 2, gardez ses distances. Numéro 3, ne pas intervenir. Même si ça vous démange. Numéro 4,
être patient. Et aux aguets. Sinon, vous risquez de rater des choses. Et enfin, règle numéro 5. Restez silencieux. Avec ces 5 règles en tête, vous êtes prêts à partir explorer la nature, les petits loups? Oui! Alors, Wawa va commencer avec quelques règles qu'il a apprises. Wouf! Il faut jouer avec des balles. Oui! Mais il ne faut pas jouer avec à l'intérieur de la maison. Wouf, wouf, wouf. Il faut se faire une bonne tasse de thé, mais il ne faut pas verser le lait en premier. Jamais! Quoi d'autre, Wawa? Wouf! Il faut sortir dans le jardin et prendre un bol d'air frais, mais il ne faut pas oublier ses clés. Wouf! Pouvez-vous trouver d'autres règles de ce genre, les petits loups? Oh, j'en ai une! Il faut manger son dîner. Mais il ne faut pas le manger sur le dos d'un cheval. Tu as raison, mais c'est encore très peu probable. Il faut mettre son imperméable quand on est sous la pluie, mais il ne faut pas mettre son imperméable quand on est sous la douche. Oh, mais qu'est-ce que j'avais dit, Rouli? Il faut mettre ses bottes de pluie quand on joue dehors. Mais il ne faut pas les garder à l'intérieur. Oups. Très pertinent, Nini. J'en ai une. Il faut se couvrir le nez et la bouche quand on éternue. Mais il ne faut pas être à côté d'un éléphant qui éternue. Exact, mais encore improbable, Youpi. Écoutez-moi, j'en ai une autre. Il faut poser ses ours en peluche sur son lit. Mais il ne faut pas y poser de vrais ours. Encore une fois, ce n'est pas une chose qui arrive souvent, Tag. Il faut se tenir droit à table. Mais il ne faut pas se tenir droit sur la table. C'est mon cousin Eric qui m'a appris ça. Disons qu'Eric a raison, techniquement. Quand vous êtes au cinéma, il est important de... rester calme et silencieux. Oh, d'accord. Ne pas gigoter ou donner des coups dans le siège devant soi. Et enfin, quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes? Non. Alors, bonne séance, tout le monde. Oui. Cette télé est tellement grande. Presque aussi grande que celle de mon cousin Eric. Il fait tout noir. Oui, parce que le film est sur le point de commencer. Je dois aller aux toilettes. Ah, pile à l'heure. Venez goûter le goût de la nature au restaurant Nature. À 5 minutes de marche du cinéma Le Grand Rex. Plat emporté disponible. Et bon appétit, bien sûr. Ce film était court. Ce n'était qu'une publicité, Betty. Cet hiver, un film va réchauffer les cœurs. Quand deux écrivains d'ordinaire, doués avec les mots, n'arrivent plus à trouver les bons. Après vous. Après vous. Au moment où les mots sont les plus importants. Pardon, c'est ma faute. Désolé. Mais parlez-vous à la fin. Bientôt sur vos écrans. J'ai adoré ce film. Hein? Ce n'était pas le film? Non, c'était une bande-annonce qui nous raconte un film qui va sortir bientôt. Et pourquoi pas celui-là? Oui! J'adore les carrés! Bonjour, les petits loups. Je me demande ce que Wawa vous a préparé aujourd'hui. Oui! Wawa! Wawa! Hein? Wawa, pourquoi es-tu assis sur ce gros ballon? Ce n'est pas fait pour ça, les ballons. C'est exact, Wawa. Il est bon de s'asseoir sur un ballon. Ça aide à améliorer sa posture et à renforcer sa ceinture abdominale. Un ballon? Il faut lui taper dedans. Ou le jeter. L'attraper. Et... ben c'est tout.
Voilà la raison pour laquelle je préfère les carrés. Dans ce cas, ça tombe bien que Wawa ait son... Oh, wouf! Badge ballon. Parce qu'il sait qu'on peut faire des tas d'autres choses avec un ballon. Par exemple... Oh, wouf! Le faire rebondir. Ou encore... Oh, wouf! Le faire rouler. Taper dedans. Le lancer. L'attraper. Tu permets? Mais je t'en prie. L'envoyer loin. Je préfère toujours les carrés, moi. Bon, d'accord. Contourne. Ouf. Un capybara. On s'accroche. Ouf. Oh, une loutre. Tortue serpentine. C'est des méduses. Méduses. Vous voyez autre chose à l'horizon, les petits bouts? Un autre bateau. Hein? C'est Wawa et les petits loups. C'est Peggy et les petits bouts. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Nous, on remonte le fleuve. On fait la même chose. Pour aller livrer un colis, on fait la même chose. Et en plus, on le fait tous en même temps. On est les mêmes. Pourtant, vous, vous êtes les petits bouts. Et vous, vous êtes les petits loups. Alors, on n'est pas les mêmes. Non. Mais parfois, c'est une bonne chose de voir les ressemblances. Plutôt que les différences. Par exemple, Peggy et Wawa sont des animaux différents. Mais... Ils ont tous les deux la même corpulence. La même taille. Et ils ont tous les deux... Le badge même. Oh! Maintenant, essayons de repérer d'autres choses qui seraient les mêmes. On est sur le même bateau. Y a-t-il d'autres choses qui se ressemblent, qui sont les mêmes? Ce petit singe et cet oiseau. Nous ne sommes pas les mêmes. Pourtant, on dirait... Vous avez tous les deux les mêmes jolis petits pois bleus. Pas faux. Il y a cette loutre et ce caïman qui se lavent. Et passe-moi le savon. Ils font la même chose. Oh, mon sac à dos est trop lourd. Wouf, wouf. Une pensée plus positive pourrait être « Comment puis-je... Oh » Alléger mon sac. À table. Bonne idée, Rouli. Repus et reposés, nos explorateurs se remirent aussitôt en chemin, le pas sautillant et une brise favorable dans le dos. Mais le vent de la fortune allait bientôt tourner. Oui, si nous restons calmes, nous trouverons une pensée positive. On est arrivé par ce côté-là, alors on doit monter par là. Oui. Je suis trop fatiguée. Ah, ouf. Oui, pensée positive, youpi. Une fois qu'on aura sauvé Minette, je pourrai faire une bonne sieste sur le canapé avec elle. Oui! On arrive à la rescousse, Minette! Avec une détermination hors du commun, nos courageux explorateurs s'aventurèrent encore et toujours. Mais ils étaient sur le point de faire face au plus grand défi de l'aventure. Escalader les montagnes, c'est facile! Pourquoi tout est blanc? Ce n'est qu'un brouillard de montagne, les petits loups. Mais je ne vois plus personne. Oh, ouf, ouf. N'oublie pas, Tag, pensée positive. Alors, faisons bien attention à où nous mettons les pieds. Je suis préparée en toutes circonstances. Je suis le plus fort et le plus courageux des hippos. Je vous explique, ça c'est pas marché. Réglez les monteurs, toujours garder un pied à terre. Yeah! Regardez-moi, j'ai mes bras bien en bas, yeah. Et mes pieds sont en contrebas. On s'incline et on penche, on donne.
pencher les petits loups, il ne faudrait pas que quelqu'un tombe. Mince alors. Mais chérie, un peu plus d'élégance. Il faut flâner pour être raffinée. Quand je marche, la route m'appartient. Sauvage, du soir au matin. Je suis très élégante, tellement stylée. Vous ne savez pas quoi faire? Défilez, glissez. Allez-y, pas à pas. De façon de marcher. En effet, et vous n'avez pas tout vu, il y en a d'autres. Vous pouvez marcher dans pas lourd. Un pas lourd. Trois pointes de tout. Pointe des pieds. Ça fait comme nous. Sauter. Traîner des pieds. Traîner des pieds. Tourner en rond. On défile comme nous. On défile. On saute. Piétine. On flâne. On patine. On trotte. Pas de côté. En pas. Tu as raison, Wawa. Cela ressemble à une rupture sismique de grande magnitude. Peu importe ce que c'était, c'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. En effet, qui voudrait partager un rocher avec ces nazes? Ils se prennent pour les meilleurs avec leurs poires soi-disant juteuses. Oh, comme si leurs noisettes étaient les plus brillantes du monde. Vous n'en avez pas marre de vous crier dessus tout le temps? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Vous pourriez recuisiner du blurgen. C'est vrai que ce serait sympa de manger autre chose que des noisettes. Il paraît que cette soupe a le goût du premier jour d'été. Mais comment on va la faire? On est trop loin les uns des autres. Il faut qu'on arrive à les rapprocher. Il faut que nous... Oh, qu'on construise des ponts. Ou alors un seul. Exactement. Et Wawa peut vous aider. Oh, ouf. Il a son badge pont. Oui. C'est fini! Et maintenant, les gerbilles peuvent se retrouver au milieu. Salutations! Nous souhaitons vous offrir ces noisettes brillantes pour enterrer la hache de guerre. Que nos poires goûteuses et juteuses enrichissent votre vie pour toujours. Alors, et maintenant? Blurgen pour tout le monde? Ouais! Blurgen pour tout le monde! Dis, on ne serait pas allé un peu trop au nord, Wawa? Ah, donc on doit juste se diriger un petit peu plus vers l'est. Mais c'est par où l'est? Il n'y a aucun arbre pour nous le dire. Vous savez, les petits loups, les animaux aussi peuvent vous aider à trouver une direction. Les animaux comme... Les poissons sauteurs migrateurs. Excusez-moi les poissons, où est-ce que vous allez? On va à une fête surprise. C'est plutôt un concert de jazz. Une jam session de reggae. En fait, c'est un mix de techno live. Mais ce sera où? Direction est, bien sûr. C'est là que sont les meilleures fêtes, ma chérie. Oh, alors l'est, c'est par là. Oh. Un peu trop à l'est, Wawa? Bien sûr, il faut juste se diriger un peu plus vers le sud maintenant. Oui, mais c'est par où le sud? Un âne. Hein? Un homard. Non, moi je suis un crocodile. Non, pas toi, les nuages qui sont emportés par le vent du sud. Vous voyez, celui-là ressemble à un tracteur. Moi, je vois plutôt une limace. Une limace avec un chapeau. Mais si les nuages vont direction sud, alors il faut qu'on les suive. Oh, ouf. Cookie!
Mais il ne ressemble pas du tout à un cookie. Oh, cette fois on est allé trop au sud. Oh, wouf. Oui, on a poussé un petit peu trop loin, en effet. Comment on va retrouver notre chemin dans la nuit? Oh, wouf, wouf. En regardant les étoiles. Faire attention où vous mettez les pieds. Ne ratez pas une note. Encore une énigme à résoudre. Une énigme musicale. Il faut qu'on saute sur les mêmes couleurs qui étaient affichées au-dessus de la porte. La première, c'était le vert. Ensuite, c'était le bleu. Ensuite, c'était le rouge. Terre, tu fromages. Betty, pour une fois, tu t'es trompée. C'était le jaune. Rose. Rouge. Oh, ouf. Oui. Encore combien d'énigmes à résoudre? Oh, encore beaucoup, les petits loups. Vous avez résolu toutes nos énigmes. Prenez votre récompense. Oui. Ouf, ouf, ouf. La détective Toutou est très douée pour trouver des indices. Oui, elle a trouvé une empreinte bleue. Et ça, c'est un bon indice, Wawa. Ouf. Absolument. Chacun d'entre nous a une empreinte unique. Alors, si la détective Toutou trouve à qui appartient cette empreinte, elle trouvera... qui a été très vilain. Oh, ouf, 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 ouf. Peut-être est-ce l'ennemi juré de la détective Toutou. Coquille, la tortue? Ou Mouchard, la mouche? Ou alors Félina, le chat cambrioleur? Regardez, la détective Toutou a trouvé le coupable. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Eh bien, dans la BD, il est écrit... ouf, ouf. À suivre. Ah! Histoire à suivre dans le prochain numéro. Oh, ouf. Quoi? Il n'y en aura pas? Ah, ouf, ouf. Les bandes dessinées Détective Toutou n'existent plus? Pourquoi? Parce que les goûts des lecteurs ont changé. Les gens en ont eu assez des histoires d'enquête. Ils ont voulu des BD avec plus d'action, des histoires plus fantastiques, plus futuristes et plus hautes en couleurs. Mais nous, on aimerait vraiment savoir qui a volé le superbe collier. Ouf, ouf, ouf. Excellente idée, Wawa. Vous pourriez peut-être terminer l'histoire vous-même. Mais comment on écrit une bande dessinée? Ah, Wawa pourrait vous apprendre parce qu'il a son badge bande dessinée. Oui. Ouf. Pour terminer la BD Détective Toutou, ouf, ouf. Il faut d'abord se demander qui a volé le collier. Oh. C'est une clé. Mais elle sert à quoi? Ouf, ouf. Oh. Eh bien, Wawa peut vous l'expliquer, car il a son badge clé. Les clés peuvent servir à des tas de choses. Ouf, ouf, ouf. Elles peuvent démarrer des choses, en ouvrir d'autres. Oui. Ou mettre quelque chose en sécurité. Et
est là, elle sert à quoi, Wawa? Nous n'en savons rien, mais nous le découvrirons grâce à la méthode essai et erreur. C'est quoi, la méthode essai et erreur? Disons que c'est un peu comme un jeu. Oui! Jouons au jeu essai et erreur! Là, j'ai fait un essai. Et moi, je viens de faire une erreur. Et c'est... Essai, erreur. Ah, oui, j'ai réussi! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Nini? Il y a... Une nouvelle clé. Elle est en forme de poisson. Alors, allons demander à un poisson. Excusez-moi, monsieur le poisson. Est-ce que vous savez ce que cette clé peut ouvrir? Si vous me l'aviez demandé il y a 3 secondes, j'aurais pu vous répondre. Peut-être qu'elle ouvre votre coffre à trésors. Il sort d'où, ce machin? Oh, bah ça alors! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a... Ah oui. Il y a... Ah oui. Il y a... Attendez, ne me dites rien. Il y a une nouvelle clé! Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wagalin! Oh! Wagalin!